Wesh les BG, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, en gros, en ce moment, il y a des unboxings, des box hit, et ça cartonne. Ah, vous avez déjà compris ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et bah, il est là. En gros, il y a mon gars Vince et mon gars La Routine qui font tout le temps des unboxings comme ça en ce moment, ça cartonne. Le principe, c'est quoi? T'achètes une boîte. Dans la boîte, il y a des trucs hype, et tu sais pas combien, tu sais pas ce qu'il y a dedans, etc. Mais le prix, c'est des prix. Là, c'est des dingueries. C'est des dingueries. Eux, ils ont fait une boîte, je crois, c'était 500 euros. Ouais, et nous, là, on a step up. C'est pour YouTube, donc on fait, tu vois. C'est mais... ça, c'est ça. Ok, 500 euros, c'est cool. Mais pour les abonnés, 500 euros c'est rien, c'est ce rien que je veux dire, tu vois. Il faut faire plus, tu vois. Ils ont fait 500, on va pas refaire 500, on va faire plus. Vous donnez, on vous rend 5 fois plus. Du coup, la box, 20 000 euros. 20 000 balles, les gars, direct cash. Pas de soucis là-dessus. On les a alignés pour vous, direct. Hein. En vrai, Inch'Allah quoi. Ça peut passer. En gros, nous, le gain potentiel, il est de 50 000 euros. Donc, il va y avoir des items peut-être à 30 000 euros, tu te rends compte. Eh gros, la dinguerie de rien. Qui ouvre la box? En gros, on en a pris deux, je vous explique, une chacun. Les gars, parce qu'on s'est dit, 40 000 balles, les gars. Les gars, 40 000 balles sur la table. La première box, c'est la tienne, frérot. Ça, c'était... Ouais, c'est pour toi. Ah, j'étais pas stressé là. Oh le patin. T'es stressé, putain. On ferme les yeux ou quoi? Vas-y, je vais fermer les yeux parce qu'en vrai, ça me stresse trop. Ouais, les gars, je pense vous allez kiffer, hein, parce que 20 000 balles, c'est pas rien, les frères. Donc, la boîte, elle est gigantesque. Ah ouais, toi, elle est lourde un peu. Putain, ouais. Elle est lourde, frérot. Je vous dis pas les gars, mais je crois qu'il y a une paire. Putain, de la chance. T'avais mis ta peinture sur le site quand tu t'es... Non, gros, j'ai mis totalement au hasard, frérot. Ça veut dire à tout moment au pire, c'est pas ma peinture. Ça repartira sur une tête. Voilà. Ferme les yeux, frérot. Je prends le premier item là. Vas-y, je touche. J'ai envie de palper l'item. Putain, il va être content. Ça touche un peu. C'est flex. Tu peux sentir? Attends un peu, tu penses c'est quoi là? Première vue, c'est quoi comme item? Bah, je te dirais un calbar là, non? Un calbar? Bah, frérot. Putain, élastique. Eh gros, t'es fort. C'est un calbar, frérot. Oh, mais wesh. Oh, le bâtard. C'est archi rare, ces trucs-là. T'es bien, bâtard, j'ai le seum. Wesh, ouais, les gars, regardez. Premier item, frère. Choupa Choups Freegun. En vrai, ça tue de ouf. Hein. C'est archi rare en plus. Ouais, en plus, c'est hype à la mort en ce moment. Donc, bah, la box, elle est déjà rentabilisée en fait. Ouais, les gars, regardez bien la qualité là d'élastique. C'est bon, ça fait bien le focus. Je sais plus le nom du designer, putain. Virgile, ouais, c'est Virgile. C'est Virgile. Ouais, c'est Virgile, putain. Bah, les gars. 22 000, frérot. 22 000. Oh my god. 22 000 sur Putain, yes, ça c'est bon ça. Putain. Bon bah ça les gars, ça rock direct, hein. Clairement, ça, ça y a pas de souci. Tu mets ça petit outfit, tu laisses juste dépasser un peu. Je vais baisser un peu le pantalon là, je baisse le pantalon direct. Avec ça, ça. Vas-y, continue. On passe à la prochaine les gars. Je regarde là. Ah ok. Waouh. J'arrête frère. Mais et normalement j'ai jamais de chat dans les trucs comme ça, hein. Que des L, tout ça machin. Mais là t'as un item. Attends, tu vas voir, c'est léger, tu vas pas comprendre. Okay. C'est genre un item, c'est un peu. Quoi? Wesh, gros, vas-y, regarde. Et frère, et l'item. La balle de tennis Technifibre Off-White. Off-White, frérot. Donc voilà, les gars, Technifibre Off-White, la collab qui vient de sortir en plus. Wesh, ça, donc dingue, ça. Là, j'ai encore chaté, les frérots. Je sais même pas, ça a un prix, ça. Ça a pas pris en vrai. J'espère que tu vas avoir la même chatte. Hein. Caleçon, balle de tennis, les gars. J'espère le dernier item, on va rigoler un peu parce que tu vois, Vince et tout, ils font des vidéos, c'est quand même marrant. Ouais, j'avoue, de fou. J'espère, on va. Non, normalement, tu vas avoir un peu de malchance, je pense. J'espère. Putain, là. Gros, oh, je vais te dire en gros, non, je peux même pas te dire la marque, je vais te dire le pays de la marque. Allez. C'est une paire italienne. Ah, ok, déjà ça commence bien. Oh là là. Ouais, déjà la semelle elle est balèze. Dachu. Ouais, Dachu. Délire Dachu. Montant, ok. Franchement, délire designer. Renforcé. Ouais, le renfort devant très à la mode. Très à la mode. Ok, vas-y, je vous ouvre les yeux. Wow. Ah, il est refait, putain de merde. Gros. Bon, les frères, ça c'est une putain de dinguerie. Hein. Et c'est qu'en plus, celle-là, il y a 2 ans, je l'ai acheté en basse. Ok. Et ouais, là, je l'ai en montant, frérot. Là, les gars, je vous montre les détails. Renforcé à l'avant. Ça c'est archi important, si jamais on se fait rouler dessus ou quoi. Là il y a des petits poils, je sais pas c'est pourquoi, je sais pas si c'est fait exprès. Je sais pas, en vrai les designers en ce moment ils aiment bien faire ça. Ouais, t'as vu sur la Jordan 4 Off-White, il y avait ça tu vois, donc c'est peut-être un petit clin d'œil, on sait pas. Et puis voilà le petit patch, hein. Italie, comme on vous a dit les frères. Vous voyez le délire un peu déconstruit ici là, un peu ouais, on laisse des peluches tout ça. Ça c'est très... Même derrière, hein, le jaune là sur le bleu, on a l'impression que ça fait dégueu, mais en vrai c'est carrément fait exprès genre. Vas-y bah toi ta box frérot. Ah bah y'a rien à dire les gars. Hein. Un petit recap. Caleçon, collab Choupa Choups Freegun. Ouais, celui-là il sait, putain. Celui-là c'est mon préféré. Hein. Ah ouais? Ah si je pouvais, ouais, je pense si je devais en choisir un de ton pack, j'aurais. Moi c'est la paire, tu vois. La paire? La paire, je l'avais en bas, j'avoue, la montante, je savais pas qu'elle existait. Et franchement, elle claque sa mère. Je commence à stresser là. Du coup, ouais, on va peut-être passer à la deuxième box, frérot. Vas-y, gars. Je vais aller chercher ça, gros. Oh, ah DG! Le cadeau il est là, les frérots. Ah là là. Le cadeau il est là. Au niveau du poids déjà, frérot, est-ce que c'est un peu comme toi? Non, pas du tout. Aïe. Archi léger, genre.
Vraiment archi léger. Genre là, limite, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Tu vois, genre, je peux. Bah après, frérot, ça veut rien dire. Hein. Ça se trouve, c'est trois t-shirts, mais trois t-shirts, c'est des dingueries, tu vois. On fait comme la dernière fois. T'es prêt? Ferme les yeux, frérot, je vais regarder. Oh putain, il commence à rigoler. Il y a un truc d'argent, il y a une marque que tu portes tout le temps. Ah putain, lourd. On commence par le meilleur, tiens. On va commencer par le meilleur direct. Vas-y, mais restez quand même bien jusqu'à la fin de la vidéo, les gars. Parce qu'on va essayer les items à la fin. Ok, là déjà, il y a un bon grammage. Bah, laisse un peu. Je pense que c'est un. C'est quali. Ça ressemble à un jogging ou peut-être un sweat, un truc comme ça. Vas-y, ouvre les yeux, frérot. Wesh! La queue marre. Rien, frérot, je t'avais. Mais ça, c'est. Oh, je suis refait, frérot! Ça tous les jours, frérot! Gros, tous les jours, je mets. Babola. Wesh, les gars, Babola. Allez, je vous montre. Bah, c'est connu de ouf en vrai. Ouais, frère, c'est. Wesh, c'est hype à la mort en ce moment. Mais comme Travis, il porte ça, les gars, donc en vrai, ça bah, en vrai, si vous me suivez un peu sur Insta, je mets tout le temps des outfits Babola, moi. Ouais, il a que là, ça. En plus, frère. Bah, rien, regardez. Quand on dit ça, le mec. Wesh, ah, il a ça sur le tech. T'es obligé de montrer ma paire. Voilà. Puis là, sur le tech, moi, j'aime bien les petits traits, là. Je sais pas si t'as montré à la cam. Ça donne du dynamisme. Ouais, ça donne de l'agressivité au pull. Moi, je trouve c'est cool. Bah, là, tu vas tuer ça. Là, les gars, en vrai, l'outfit, ça va être trop facile pour lui. Il va tuer ça direct. Bah, attends. Attends, parce que les gars, le prix. Ok, t'étais un peu au-dessus, mais les gars, 34 000. Oh my god! 34 000, putain. En même temps, gros, il y en a que deux dans le monde. Deux? Ouais, celui-là, en tout cas, en bleu comme ça, bleu ciel, il y en a que deux dans le monde, les frères. Bon, les gars, deuxième item. Eh gros, c'est une des meilleures idées qu'on a eu sur cette chaîne. Ouais, en vrai, franchement, c'est un B2 concept. Bah, merci à Vince et à la routine hein, pour le gap up, les gars. Peut-être on fera un unboxing avec vous, on sait jamais. Les gars, franchement, ça serait lourd. Ça serait lourd. Moi, je kifferais. Ouais, faudrait qu'on fasse un unboxing à 500 du coup. Bon, bref. Oh. Ouais, du coup, deuxième item, les frères. Ah. C'est léger aussi. Hein. Léger aussi. Wesh, c'est quoi, c'est une écharpe là? Non, pas du tout, frère. T'es pas du tout là, t'es là, pas que. Je sais pas, je trouvais bien. Attends, ça s'enfile non? Comme ça? Non, c'est pas du tout en bavard là, okay, gros, okay. Vraiment pas. Ok, ok, ok. Vas-y, ouvre les yeux. Hein. Vas-y, joue. Mets-le, attends, je te. Ouais, ça pique les yeux, wesh. Waouh, ah, ok, 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 ok. En gros, au début, j'avais pas capté, c'était léger. J'ai vu la couleur, je me suis dit, ah, c'est pas une couleur que je porte trop. De toute façon, c'était que cette marque là qui fait cette couleur là. Ouais, en gros, Discotheca Arena, ils font tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, tout ça. Très flashy. Et il y a pas longtemps, ils ont fait une collab avec le New World, d'Evreux, je sais pas si vous connaissez. Partir deux secondes. Ouais, c'est parti. Ok, cool, cool. Cool. Je vais pas te cacher, frérot, c'est pas forcément un truc que je porte. Ok. Tu vois, les couleurs. Ah ouais? En gros, la coupe est cool. La coupe là, tu vois, un peu. Ouais, ouais, un peu déchirée en mode. Déchiré, ouais, je vois ce que tu veux dire, fait maison. Comme ça. T'as de la place, grave. Après, comme ça, en event ou en. Ouais, j'avoue, sneakers event, ça se porte. Sneaker event, tu vois, tu le mets. Est-ce qu'on se lance pas un petit challenge, genre s'il y a, genre, on va dire 300 likes sur la vidéo, je le mets au sneakers event prochain? Ouais, vas-y, vas-y. 300 likes, les gars, 300 likes. 300 likes, les gars, je vais porter au sneakers event. Bon, déjà deux items, bon, plutôt cool, bon, équipe. Pas trop celui-là les gars mais gros un... Troisième item, je ferme les yeux, t'as commencé à ouvrir là, j'ai peur de voir, j'ai peur de voir. Troisième item et pas des moindres. En vrai Attends, j'essaye de deviner avant de toucher là. Qu'est-ce qui scratch comme ça? Chaussure du coup? Oh, les gars, les gars, la dîner. Ah putain, c'est une chaussure, c'est une chaussure, c'est une chaussure à scratch, c'est. Là, je te laisse toucher, frérot. Eh, je croyais que j'allais pas avoir de les gars là, je suis content. Non, OP. Wesh, semelle déjà. C'est du boost? Non. Si. Wesh, non, Kimberfield gros. Kylie a apporté. Ouais, Kylie a apporté. Ouais, Kylie a apporté les gars. Kylie a apporté. A mis sur un stade ça machin, on dirait que ça a pris une cote, laisse tomber. Oh gros, je viens de voir un truc, j'ai le seum. Mais non, c'est du 41 après. Je fais du 44. Ah, mais... ah je suis dégoûté. Vas-y hein. Putain. Vas-y. Ah ça me saoule en vrai que ce soit pas ta pointure. Ah, sur une meuf ça passerait vraiment crème de ouf. Ah gros je pense qu'on va essayer de trouver une petite meuf. Ouais on va essayer de choper une meuf. Mais les gars là les scratchs, la qualité du scratch les frères. Le bruit frère. De toute façon au bruit tu sens la qualité du scratch direct. Franchement on va essayer les sapins. Ah putain. Gros. Le moment. Ça y est. Outfit c'est parti. Thanks. Là je pense le jean qui tombe sur la paire ça fait un peu mieux. Ouais moi j'aimais bien quand tu serres voilà comme ça. Ouais là c'est cool Ah ouais ça tue hein. Ça claque hein. Franchement ça tue. En gros j'aimais bien mais j'étais pas fan. Et porter, ouais, ça fait la diff hein. Et comme ça peut-être genre la semelle en avant tu vois. Ouais j'aime bien l'idée. Et puis je fais les lacets derrière quoi. Ah gros. Vas-y bah là je fais un plan des deux paires là. C'est une paire assez discrète, on va pas se cacher. En plus gros ton haut il va bien. Le haut il va bien avec. Ouais, ouais, j'ai même pas d'exprès, je t'avoue. Bah voilà les gars, déjà premier item. Hein. C'était un des plus chauds, les autres on est un peu sûr que ça va être bien. Bah le caleçon les gars, je vous avoue, voilà on est sur YouTube, on est sur internet. Bon je vais le mettre par-dessus mon jean les gars. Ça s'enfile facilement les gars. Moi je trouve en vrai, bon après tu vois le t-shirt, mais faut bien qu'on voit le logo. Ok. Après les gars, moi aussi je peux vous donner des petits tips pour vous balader avec. Juste mettez vos pouces comme ça et baladez-vous comme ça quoi. Ouais ça fait stylé, je t'avoue. Puis là la collab en plus ça fait plaisir. Hein. En plus on la voit bien, on la voit bien. En gros on a ramené une meuf juste pour qu'elle mette la paire, les claquettes, et en gros ça. C'est un truc, c'est plus pour pleurer aux meufs. En vrai, c'est un peu du drip ces trucs là. Ouais, j'avoue, en vrai, c'est comme une chaîne quoi. Tu mets ça là, ça a le même effet de toute façon. Léa, pour toi, ça fait la diff ou pas? Genre ce genre de truc. Mais ça fait toute la diff. Ouais. Genre au premier date, il vient comme ça, c'est sûr, je vais pécho. Bon bah. Ah, attends, je suis un ouf. La balle. Non, bah les gars, off-white, technifie, on n'oublie pas.
On se refait les petits détails, vas-y, vas-y. 60 000 euros la balle. Oh my god. Oh, merde. Les petits poils qui sortent en mode balusé, machin. Je pense ça tue. Truc comme ça. En plus, okay. Ça rebondit bien. Donc, ça rebondit bien. Gars, donnez votre note dans les commentaires, hein, n'oubliez pas. Yes, yes. On donne la note en commentaire. À moi de jouer, c'est parti. Aïe. Ok, les gars, vas-y, du coup, c'est à mon tour, les gars. Je vais commencer avec la pièce la plus que j'aime le moins. Bon, vas-y, je teste. Je vais pas me mettre torse nu, c'est quoi. Bah, quand même, tu pourrais, non. Bon, à combien de likes? À combien de likes tu m'as foutu sur Insta, torse nu avec ça? Vas-y, 500 likes. 500 likes, les frères. Bah, en vrai, gros, ça te fit, hein. J'avoue que de base, j'avais un peu peur. C'était Damla, celui qui me faisait le plus peur. Et là, gros, j'avais dit, en gros, la coupe là, comme ça, j'aimais bien. Ça se porte comme ça, peut-être, je sais pas. Ouais, enfin, ça dépend, en fait. Ça dépend de ta personnalité, je dirais. J'aime bien, j'avoue, je vais pas te cacher, gros. Non, en vrai, tu vas garder? Gros, je crois que je vais garder. J'avais un peu peur. Mais je crois que je vais garder. T'as échangé d'avis, salaud. Lui, j'avoue que je suis. J'ai trop hâte, en gros. Bah là, ça va donner. Allez, c'est bon, vas-y. Pour moi, c'est une valeur sûre. J'ai un peu peur de la. Comment ça taille, tu vois. J'aime bien porter avec la capuche, moi, perso. Ok, la taille, c'est bien. Je suis content. Ma taille carrée? Gros, j'ai l'impression que. Ça me va bien. Au niveau des épaules, là, toi, c'est carré, franchement. Et en plus, t'as vu, nous, on a eu de la chatte, hein, parce que les gars, comme Vince et tout ça, ils ont eu des grands articles, là, bizarres. On est gâtés, frère. Petit détail, la marque ici, ça, c'est un truc, c'est très designer. Hein. Tu vois, ils veulent pas mettre la marque trop gros. Bon, là, ils l'ont mis quand même ici. Bon, après, voilà. C'est un choix du designer. Et ça, c'est pas pour toi, ça. Ça, c'est pas ça, pour c'est moi, les gars. Ouais, c'est carrément. Pas ma taille, malheureusement. Pour moi, en gros, cette année, c'est un coup de cœur. Ah, je vais être obligé de la donner, les gars. J'avoue, c'est pas ma taille. Y a pas une meuf dans le coin, hein. Y a une petite meuf qu'on a invitée. Ok, les gars, voilà. Et aussi si les BG soins. Léa, qu'est-ce que tu penses de la paire là? Moi franchement au premier abord je porterai pas. Okay. Parce que je kiffe pas trop le coloris. Moi je suis très black. Moi c'est sûr et certain que si je la porte, je la porte avec chaussettes par contre. Genre okay. Impossible autrement. Okay. Porte-nous ça, on veut voir. Ça en direct. Okay, franchement, archi confortable. Déjà là, rien que là les gars, t'envoies. Ouais déjà là c'est une masterclass, non? C'est 10 sur 10 parce que t'as mis des chaussettes designer aussi. Oh, propre. Carré. Il y a des petits points, hein. Je sais pas si vous voyez les détails. Ça c'est les chaussettes ACW, ouais. Samuel Ross. Donc très carré, j'avoue ça passe. Eh hey gros, moi je vois une meuf passer comme ça dans la rue, hein. Gros, je me retourne direct. Je pense que je demande son snap direct. Vas-y, je suis content. On va se reposer là pour parler un peu de la vidéo. Trop d'art. Vas-y, viens, on y va, on enlève les vêtements là. Ok les gars, donc ça y est, on a essayé les outfits, les tenues. C'est bon, hein. T'en as pensé quoi toi de ta tenue? Ah frère, gâté de ouf, hein, les gars, gâté. Regardez. Les gars, on a pas été sur. Gâté, on a pas mis 20 000 balles dans rien, hein. Gros, les 20 000 balles là, je suis rentabilisé direct. Je suis content. On a eu trop de chance. Content. Trop gâté. Là, on faut qu'on vous parle d'un truc. En gros, on a discuté un petit peu là avant de retourner. Trop sympa, il s'est dit la balle. Comme ça, les gars. Si c'est pour la mettre dans sa chambre juste sur un meuble, ça sert à rien. C'est relou. Donc, cette balle là, on vous l'a fait gagner. Donc, en concours YouTube. Ouais, c'est ça. Je vous explique un peu les règles. Vas-y, dis-moi, en gros, pour participer, il faut mettre un commentaire. Donc, dans le commentaire, vous dites quelle boîte vous avez préférée, quelle box. C'est ça. Et n'oubliez surtout pas, vous mettez votre taille de balle. Ouais. En Europe. Voilà, donc exemple typique. J'ai préféré la box de Saku. Voilà. Ma taille de balle, c'est 36. Et ça vous fait une possibilité de gagner. En gros, plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Exactement, les frères. Donc, bombardez les commentaires. Si jamais celui qui la gagne, il veut qu'on les dédicace, nous deux. C'est possible. Après, on laisse le choix quand même. Ouais, on laisse le choix parce qu'on comprend qu'on veut, l'original ou quoi, mais. Gros, bonne chance à vous, les gars. Participez à fond, hein. Participez à fond. N'oubliez pas, si vous avez kiffé la vidéo, de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau ici. Et puis, voilà, si la vidéo vous kiffez, peut-être on. On peut faire un deuxième épisode. On a rentabilisé, de toute façon, les gars, nous, 20 000, c'est pas grand chose pour nous. Donc, on va vous envoyer ça, un deuxième épisode si vous kiffez. Et puis, on n'oublie pas aussi, les gars, il y a un objectif dans les likes. 300 likes pour porter au Sneaker Event. Au Sneaker Event. Ouais, les gars. 500 likes, c'est une post Insta de moi avec ça. Bombardé, ça va être hilarant. Putain, incroyable. Merci encore à Vince et à la routine de nous avoir donné un peu l'idée. Franchement, bête de concept, les gars. Bête de concept. Vraiment. J'espère que vous avez kiffé. À très vite. Ciao. Babanks.